Salut à tous, nouveau dans le game de YouTube. Voilà. Bon, je sais pas si le son est bon, c'est avec le téléphone. Voilà, je prends pas la tête. Je commence comme ça. Comment dire, pas l'habitude de parler à un téléphone. Toi-même, tu sais, donc bon. Je vais te montrer le double golpé. J'ai commencé la guitare, on va dire en mars dernier. C'est pas avril dernier, on va dire mars dernier. Donc on part du principe, ça fait un an. Je savais pas ce que c'était une guitare, jamais touché. Moi, je suis du bâtiment, je suis dans la boxe à la base, voilà quoi. Il n'y a pas de l'instrument, moi mes doigts, je sais pas m'en servir. Un coup de passion pour les gypsies. Voilà, comme tout le monde. Hein. Un truc qui te touche dans le cœur, dans l'âme. Et j'ai dit pourquoi pas. Un coup de délire, j'ai acheté une C40, la Yamaha. Voilà. C40, j'ai acheté ça à 70 euros pour la scène. Pas en particulier. Bon, le délire était bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je raconte un peu ma vie. Comme il dit Francky là. Un grand merci à Francky Texé d'ailleurs. Limer le CI à mort pour que tu vois, te passe à peine le petit doigt pour une action basse. Enfin bref, en cas si t'aimes bien ce principe du débutant, je te montrerai plein de trucs. Je montre juste le double golpé. Moi je le fais en un an, comme ça peut te motiver à fond. Tu verras que c'est possible d'arriver à presque un beau geste comme les Francky, Chavo aussi, un très bon guitariste, Chavo. Et tout ça, et Christo Mascaro aussi, très bien, j'ai appris beaucoup avec lui aussi. Donc je te le montre, Palo Seco au début. Huit mouvements. Bon. Sur un petit mi modifié. Un mi normal. Écoute ça. Ça te plaît, envoie commentaire, tout ça, d'autres petits trucs ou quoi, c'est juste ça, voilà. Ça te le fait sur deux accords, allez, deux, trois accords, le rythme lent, tranquille. À bientôt, ça vous plaît, bombardez. Moi, je refais des vidéos, je vous expliquerai vraiment mon parcours, comment, pourquoi, tout ce que j'ai fait et pas fait. Je suis comme vous, je suis un débutant, les gars. Allez, à bientôt.